Lundi, vous ferait-il toujours aussi peur ? Son corps était vermeil, ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés et ses veines étaient toutes remplies d'un sang fluide. Le vampire est un mort-vivant, il suce le sang. Ses victimes deviennent automatiquement, après leur mort, des vampires. Comment fut-il possible qu'à une époque éclairée, les vampires aient eu un tel succès ? Vampires, aux origines du mythe, lundi à 23h15 sur France 3 Champagne-Ardenne.